Moins de 48 heures après l'incendie qui a forcé la fermeture du pont du Buc, le ministère des Transports a autorisé cet après-midi les médias à pénétrer à l'intérieur de la structure afin de constater les dommages causés à celle-ci. De l'extérieur, on peut voir de près le pilier du pont endommagé et noirci par les flammes et juste au-dessus, ce qu'on appelle le caisson, la partie qui est en vert et où les caméras ont été autorisées à filmer. Une fois à l'intérieur, on aperçoit les poutres d'acier qui ont subi des dégâts par la chaleur. Le ministère a prélevé des échantillons d'acier afin d'en faire l'analyse. Ville en action vous laisse sur ce montage vidéo.